C'est d'abord mon premier pays, mais c'est la côte nord, hein, c'est pas compliqué. Moi, après ça, le Québec, puis tout le reste, dans les différences. Oui, la philosophie, j'adore ceux qui écrivent maintenant en philo. Genre. Et à la télévision, il y a tellement des fois, il y a une émission qui s'appelle le dimanche matin, c'est la petite quelque chose. Ça dure 2 heures. C'est des philosophes français et ailleurs qui racontent leur parcours et surtout leur vision de la vie actuelle par rapport au passé et à l'avenir. Ça fait du bien, ça aussi. Parce que le moment présent, c'est le plus important. L'autre est à venir, l'autre est passé. Mais le moment présent. Et tout le monde nous fait réfléchir un peu. La Sagouine, vous vous souvenez de la Sagouine? La Sagouine, une fois qu'elle a parlé, là, ce qu'elle disait, c'était plein de philosophie. C'était plein de bon sens, elle avait un message. C'est pas d'avoir de l'université qui crée le message. C'est d'avoir de la réflexion, d'avoir de l'expérience. Nos grands-parents, moi, les vieux pêcheurs de la côte, le plaisir que j'ai eu sur le bord d'une barque à écouter les gens. J'ai bien plus appris avec eux autres que j'ai pu leur apprendre. C'est ça. Puis je vous dis pas ça pour être gentil, hein, mais ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Alors, il n'y a rien à vendre. Juste à... Mais vous avez raison de dire que c'est éternel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se passe un flambeau de génération en génération. Des fois, quand je regarde ce qui se passe en Ukraine, le flambeau, là, OK. Mais il y en a d'autres flambeaux qui se préparent. Les flambeaux qui se préparent, c'est vous autres. Souvent, on ne croit pas en nous. Ou encore, oh, le vieux bonhomme, là, il vous raconte, il dit, non, c'est vous autres. Moi, dans mon temps, il me disait ça, là, puis je me dis, bon, tout à coup, je suis arrivé en politique par accident, je n'ai jamais voulu faire de ça, moi. Mais rendu là, j'ai fait ce que je viens de vous dire. Puis ça a commencé au collège, ici à Haute-Rive. Je dirais ça à Rimouski, non, mais je peux vous dire chez vous, hein, chez nous. Il y a 10 ans au dortoir ici. Là. C'est bien. C'est bien.